Alors. Non, mais c'est bien, tu prépares le terrain. J'aime bien. Donc, Seven Nights Ghost, le petit jeu qu'on a commencé la dernière fois, qu'on a bien entamé d'ailleurs, avec ces fameuses statues de chat qu'on a galéré de ouf à réparer parce que notre personnage est complètement de tance dans tous ses mouvements. Genre, il était en mode, je vais mettre la colle! C'était terrible. Mais on a réussi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, coucou Siona, le début du jeu. Oh, j'ai eu la voix qui. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début du jeu, en gros, on va. Donc, on est quelqu'un qui travaille, etc., qui a besoin d'être logé. On est logé dans une maison hantée, parce qu'apparemment, il n'y a pas d'autre endroit où crécher. Ça, j'ai pas bien compris. Et il y a un fantôme assez pipou, ma foi, qui joue à 1, 2, 3 soleils avec nous, qui nous vole nos donuts et qui nous a volé aussi notre. Mince, comment ça s'appelle? C'est pas un flan là, je sais plus comment ça s'appelle. Un autre gâteau, enfin bref. Elle nous a piqué nos donuts, elle nous a piqué un autre truc, elle nous a piqué nos baguettes pour manger nos nouilles, si bien que nos nouilles étaient trop cuites. C'est terrible, terrible. Jamais vu un jeu aussi. Ah, si dur, on était tous brassés, choqués la dernière fois. Le pudding, ah voilà, c'est ça, c'est le pudding. Pipou mais relou, tout à fait. Et du coup, la dernière mission qu'on a faite, c'était de réparer cette fameuse queue de chat qu'elle avait cassée. Et voilà. Il nous reste encore 2 nuits, du coup, à faire. Il faut tenir les 7. On est parti, du coup. Pour le jour 6. Ah on a même caché un donut. C'est assez incroyable. Et la lenteur, ouais, notre personnage est extrêmement lent. Mais la vie ici est bientôt finie. Ah oui, et puis dans 7 jours, en fait, le bâtiment va être détruit. J'étais surpris de rencontrer mon colocataire. Mais j'ai pas voulu dealer avec elle. Ah, c'est Kokata, ouais, c'est le fantôme, ok. Voilà, cet endroit va être démoli après 2 jours. C'est pour ça que c'est 7 nuits et pas 8. Je me sens un petit peu concerné par elle après la démolition. Genre, qu'est-ce qu'elle va devenir, Ginette? Hé, Ginette! Oh, tu veux que je vienne avec toi à table? Est-ce que tu m'as ramené un truc à manger? Parce que. Bien gentil de me piquer tout ce que j'ai à bouffer, mais. Non, mais la lenteur de cet homme. C'est vraiment terrible. Je vais prendre ce papier. J'y hop. Quoi? Oula. La lecture. Merci, Ginette. Find time of rest. Trouver le temps de se reposer. C'est ma mission. Alors, Ginette, il est l'heure de me reposer. Arrête de m'emmerder. Alors, c'est quoi ça? Un message d'elle. Unless you solve all the riddle. Ouais, tu. Oh putain, j'arrive plus à traduire ce soir. Ouais, tu seras coincé dans cette pièce unless. Merde, putain, je bug sur des mots que je connais en plus. C'est chiant. Bon, je vous laisserai m'aider pour cette traduction. By the light box, grand line indicates the keyhole. Alors, il y a des lumières qui vont indiquer le trou de serrure. Suis les nombres. Putain, elle m'a fait une énigme. En forme de rime. Suis les nombres et coche les carrés. Par la bouche de la porcelaine blanche va s'émerger un nuage de fumée blanche et ça va pointer un endroit où il y a la clé. La clé va déverrouiller la porte de l'impurité. Et la paire de coupes de saké te montrera où c'est. What? À moins que. Ah, peut-être, ouais.
À moins que tu résoudes l'énigme. Ah oui, peut-être, ouais, ça doit être ça. Bien joué. À moins que tu résoudes l'énigme, tu seras bloqué dans cette chambre pour toujours. Ça doit être la première phrase. Ok, merci. Quand les coupes de saké seront posées sur la table, le monde regagnera sa lumière et sa chaleur, et les gens trouveront le temps de se reposer. J'ai rien compris. Lightbox, compteur électrique. Ah, peut-être, ouais. Ah, peut-être, ouais. Gridline indicate the keyhole. Ah, ouais, c'est possible, ouais. Alors, compteur électrique, des câbles ou des lignes qui indiquent le trou de serrure. Suivre les nombres et cocher les carrés. Watt porcelaine, ça doit être la porcelaine du chat, je pense. Il va y avoir donc de la fumée qui va m'indiquer où est la clé. Et la clé va déverrouiller la porte. Et après, il y aura des coupes de saké. Voilà. Vous retenez? Ça commence bien. Ah, mais il y a déjà une clé là. Sticky hole. Quelque chose est peint dessus. Ah, j'ai. Ah, mais c'est. Ah, c'est le dessin d'une clé. Putain, elle était déjà là. C'est pas la clé. Et du coup, j'ai pas le droit de voir le. Alors, il faut trouver le trou de serrure, trouver la clé, enfin localiser la clé, trouver la clé, localiser la paire de. C'est bizarre dit comme ça, mais je sais pas comment mieux le traduire. La paire de coupes de saké et après les trouver. Ok. Putain, elle a l'air vénère un peu. Attendez, parce que j'ai 15 000 trucs à lire. C'est Yokoyama. Merci de m'avoir parlé de Nina. Donc Nina, je pense que c'est Ginette. Hein. Je suis vraiment désolée, mais je me sens accidentally made an irresponsible request to you 5 years ago. You've done. Ah, je. Okay, il sent soudainement. Ça, c'est accidentally made. Ouais, apparemment, il y a 5 ans. Putain, mais j'y arrive plus, ça. Il y a 5 ans, on a fait une requête qu'il n'a pas, voilà, qu'il n'a pas validée quand on a rejoint la compagnie. Ok. Mais je pense que c'est le bon moment pour te demander ça. Merci beaucoup. Ça fait déjà 5 ans que tu as rejoint la compagnie. Le temps passe tellement vite, n'est-ce pas? S'il te plaît, ouais, partage mon bon souvenir à ta famille. Yokoyama. D'accord. Qu'est-ce qu'il raconte? Tout ça pour du saké. Ah ben, ça tourne autour de la bouffe, hein, clairement. Alors, Lightbox, c'est parti. Oula, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ginette! Ginette! Ah, ok, elle devait être derrière cette porte. Alors, Lightbox. Jamais vu de compteur électrique dans cet appartement. Hein. J'ai pas le souvenir, en tout cas. Suis vraiment désolé, je t'ai soudainement fait une demande déraisonnable 5 ans avant. Ah, le fait que j'ai rejoint l'entreprise. Ah, ok. Heureusement que vous êtes là, des fois. Des fois, dans mon cerveau, ça marche pas rond. Mais. Ah, c'est pas. Mais elle est relou! Oh, Ginette! Elle est où? Alors, je l'entends. Je ne la vois pas. Je sais pas où elle est. Bah, elle devait être là. C'est pas ça, les lightbox. Non, bah non. Du coup, c'est pas ça non plus. Ça, c'est truc de température. Ok, elle est un peu relou. Ah, il y a ça aussi en porcelaine blanche. Le panneau lumineux. Le panneau lumineux. On cherche le panneau lumineux. Hein. Non, rien à voir, c'est une lumière ça. Mais pourquoi elle pop que dans la salle de bain, elle est relou?
Cool Blueberry. Bon, j'ouvre un petit peu les trucs parce que je m'en rappelle plus trop où est où, ou qui est où, où est quoi. Ça, c'est la ventilation. Je l'entends, je crois, non? Ah, si je regarde le chat maintenant. J'ai aussi trois chats à la maison. Oui, bah oui. Ça me fait une belle jambe. Bah, je suis déjà perdu. Oh, mais. Ça suffit. Attendez, je vais relire le message, je crois. Si elle me laisse faire, évidemment. By the lightbox. Alors, lightbox, ouais. Bon, une boîte allumée. Voilà. On sait pas si c'est vraiment le compteur, ça pourrait, hein. Mais j'avoue que vu que j'en ai pas vu, je suis pas sûr. Grid, c'est quoi déjà grid? Attendez, on va vérifier. Je sais plus si elle peut me tuer quand je suis comme ça. J'ai un doute. Merde. Alors, grid, c'est grille. Donc, la ligne de la grille. La ligne de la grille indique le trou de serrure. Que? Pardon? Oh, putain, mais Ginette, laisse-moi réfléchir, quoi. Alors. On a comme un problème. Parce que je n'ai pas vu de box light. Ah, là, il y a un nouveau talisman. Hop là. Donc déjà, c'est embêtant. Il y a la rébellion, ce soir dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Vous battez pas, hein? Box light, box light. Oh, est-ce que ça pourrait pas être la télé, la box light? Non? C'est une boîte et ça fait de la lumière, hein, techniquement. Par contre, la grille, là, je vois pas le rapport. Hein. Y a pas la télécommande quelque part, hein. Putain, les boules! Oh, mais! Le téléphone! Je vais avoir un indice. Check the paper on the TV. Ah! Fill in the square et find the keyhole. J'avais raison, donc c'est bien la télé, la lightbox. Fill in the square et find the keyhole. Ah oui, c'est vrai que ça parlait de carré. Remplis les carrés et trouve le keyhole. Ah putain, mais. Oh. Je l'avais pas du tout vu. Bon, en même temps, avec Ginette qui pop toutes les 3 secondes. Strange paper. Je check it. Ok. Alors. Ah putain, d'accord. C'est comme la réparation, il va falloir que je check. Oh. Alors, attends, faut que je fasse quoi là? Faut que je. Attends, mais il faut déjà que je comprenne ce que je dois faire, ça va être compliqué. Je vais mettre un peu plus de son. Bien l'entendre arriver. Alors, je dois faire. Attends, je comprends rien au truc. Ah, attends. Je pense qu'en fait, il faut que je fasse. Je suis pas sûr, hein. Ça va me donner des indices. Putain, sur toutes les cases. Donc ça, c'est pas forcément ça. Donc là, vous voyez les trois premiers. Ah bah non, pas sûr en fait. Mais je l'entends, non? Attendez, j'ai pas le temps de comprendre ce qui se passe. Coucou Chris! Parce que là, 1, 2, 3. Ouais, mais après, il se termine à la quatrième ligne. Ça que je comprends pas. Couché! Couché, Médor. 1, 2, 3. 1, 3, 4. Comment je sais comment ils sont calés en fait? C'est ça le problème. Parce que là, on pourrait se dire, là, pour le dernier.
C'est ça. Après, celui-là. Au panier Ginette. Quoique, faut pas que j'oublie qu'on a un indice, il y a celui-là qui est pré-rempli déjà. Fuck. J'ai eu? Non, elle n'est pas disparue en plus. Il y a celui-là qui est pré-rempli, ça me donne un indice. Donc si. On dirait vraiment que j'essaie de faire mes devoirs, genre avec un gamin insupportable qui veut jouer avec moi derrière. Si celui-là. En fait, il faut que je trouve où est celui-là déjà. Si celui-là, c'est celui du deuxième, par exemple. Ça veut dire que là. Je comprends pas grand-chose. J'essaye. J'essaye, mais je comprends rien. Là, on serait pas mal. Elle est où? Là, on serait pas mal. Celui-là, ça serait celui-là. Celui-là, ça serait celui-là. Regardez, hop, ça fait sens. Ça c'est. Allez, relou. Ça c'est bien tout vide par rapport aux deux. Vous voyez? Suis pas sûr de ma théorie, hein, mais en fait, j'ai pas le temps d'y réfléchir plus, malheureusement, avec l'autre là. Ah, mais le problème, c'est que. Putain, il était juste derrière. C'est-à-dire que là, c'est pas bon en fait ce que j'ai fait. Mais what? Mais comment elle abuse? Parce qu'en gros, là, ça veut dire que toutes les cases doivent être blanches. Mais est-ce que c'est possible au moins? Je suis pas sûr, hein. À quoi que si celui-là c'est là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, si c'est possible alors. Ça fait sens avec celui-là. Vu qu'on n'a pas, on n'a pas l'emplacement des cases en dessous. Je suis pas sûr que ce soit un morpion, hein. Après, si vous avez compris autre chose, n'hésitez pas à le dire. Par contre, celui-là en haut, là. C'est-à-dire qu'on se met là. C'est-à-dire que là, il est censé. Bah ouais, non, c'est pas possible. Moi aussi, j'ai. Ah! Donnez-moi un indice, j'ai rien compris. Est-ce que je suis sur la bonne voie au moins ou j'ai rien compris du tout? Dites-moi, j'ai au moins ça. Parce que là, celui-là. Mais celui-là, en fait, il m'embête. Parce que. Là, si je sois affiché dans l'autre sens, c'est d'emboîter les quatre trucs en bas de manière logique. Quatre trucs en bas? Quels quatre trucs en bas? Ah, faut que je fasse un puzzle. Ah, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ok. Faut faire un puzzle en fait. C'est ça, non? Ah, mais oui, c'est ça. Ça s'emboîte. Non? Si. Si, c'est ça. Oh là là. Bon, attendez, faut que je commence. Merde. Alors, du coup, tac, 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 chut, Ginette, couchée, tac, là on est bon pour le premier, ok, non merde, j'ai fait de la merde en plus, attendez, j'ai fait connerie,
Non, il faut vraiment que je commence par celui-là, en fait, vu qu'il est dans le coin. Donc, là, on a le coin, et là, ça fait tac-tac. Ok. Donc, celui-là s'emboîte dans celui-là. C'est dur de réfléchir avec l'autre, là. Hein. Alors. Ah, bordel. Ça veut dire que ça commence en dessous de cette case, je crois. Si ça s'emboîte comme ça. Ouais, c'est ça, le carré noir, il vient là. Donc là, ça va là. Là, ça va là. Là, ça va là. Là, ça va là. Je crois que c'est ça. Ça, c'est pas bien compliqué, parce que de toute façon, c'est dans un coin, donc c'est forcément la quatrième case qui est là. Et par contre, pour le dernier, mais il s'emboîte comment, lui? Attendez, il y a un problème dans mon histoire, là. Ah bah si, c'est ma case qui est déjà... Bah là, ça devrait être bon, en fait, si j'ai pas fait de la merde, mais vu qu'il se passait rien, je suppose que je me suis trompé. Hop! Le premier dans le coin, c'était bien. Le second, c'est pas lui qu'il fallait emboîter. C'est pas celui-là? Qui va dans celui-là? Et pour moi, ça faisait... Attendez. Donc là, celui-là, ok. Vous mettriez celui-là? Ah non, c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Mais du coup, celui-là, il va où? Mais j'ai pas le temps de réfléchir avec l'autre, là. Ah, du coup, lui, c'est la fin de... Ah oui, c'est la fin, d'accord. Ok, j'ai. Tac. Tac, tac. Ok, compris. Ok. Et du coup, il me reste plus que celui-là à mettre. Ok, c'est bon, c'est bon. Reviré. Ah, quelle est cette illustration? Une fontaine? Tu vois une fontaine, toi, d'accord. Non, mais pourquoi pas. Hein. Je pense que je l'ai vu dans la restroom. Tout, c'est une fontaine, ce truc. C'est pas une fontaine! N'importe quoi! Fontaine. Je t'en donnerai une de fontaine, moi. Elle est où? Elle est où? T'es où? Je sais pas. Fontaine. Alors, on cherche une fontaine. Pas une fontaine, ça. Ginette, couché. Je sais pas, il a dit une fontaine. Ah, un signe astro. Shower head, c'est pas ça. Putain, l'autre côté du mur, je crois. Fontaine, une fontaine. C'est pas le lavabo, non? Lavabo. C'est quoi ça? Ah! Fontaine! Mais si, c'est ça, regardez! Attendez, mais c'est complètement ça! Attendez, c'est pas le truc pour se nettoyer les fesses avec le. Les toilettes! C'est pas la fonction jet d'eau des chiottes! Mais attendez, c'est complètement ça! Je vais vérifier, mais c'est complètement ce dessin-là. Mais si, regardez, c'est ça. Mais attends, mais du coup, du coup, je fais quoi avec? Bordel. Attends, elle disait quoi la note? Follow the number et crush the scare. Ouais. La bouche de la porcelaine blanche. Ah, white porcelaine, en plus, la bouche de la white porcelaine, ça peut très bien... Putain, les relouelles. Ça peut très bien être la bouche des chiottes, en vrai. Hein. C'est de la porcelaine, hein. Par contre, quand j'appuie sur le bouton, il se passe rien. Ginette, je suis aux toilettes. Respecte un peu. Merde! Le problème, c'est que...
Oui, c'est du PQ, oui, merci beaucoup. Ouais, c'est qu'il se passe rien du tout quand j'appuie dessus. Mais en vrai, c'est sûr, c'est ça en fait, hein. Peut-être que je ferme la porte des toilettes. Bah non, je peux pas ouvrir les chiottes, non. Ginette, couchée. Coucou, je panier, Ginette. Ah, j'ai dû louper un truc, hein, parce que... Il se passe rien. Je peux allumer la lumière d'abord ou... Pas d'autres boutons ici. Non. Ouais, je pense que faut faire un truc. Elle veut que tu lui nettoies les fesses. Je sais pas, elle veut des trucs bizarres, elle, hein. Ouais, mais... Attendez, restroom, c'est vraiment les toilettes? C'est bizarre quand même. Panneau de contrôle dans le couloir. Bah ça, c'est pour la température de l'eau. Saloperie! Mais what? Mais elle m'a pop sur la figure! Allô? Ginette! Putain! Putain, mais du coup, elle m'a fait peur! Je viens de voir la solution, c'est pas du tout ça. Ah, c'est pas les toilettes, c'est le même symbole que dans les toilettes, hein. Oh non, faut que je recommence les carrés. Fais chier. Ma glace? Pourquoi ma glace? Je confirme, tu y es pas. Ouais, je sais comment les placer, mais bon, elle va arriver et tout, elle va faire chier sa maman. Ok, bon, c'était rapide. Ça, c'est pour trouver un trou de serrure, hein. Attendez, parce que... Ah oui, c'est une table menu. Non mais oui c'est ça en fait, je suis pas, je me disais attends je suis débile ou quoi? Restroom, c'est bien la salle de repos, ça peut pas être les chiottes la salle de repos, c'est quand même étrange. I think I saw it in the restroom. Mais c'est quoi la restroom? C'est quoi la salle de repos? C'est la chambre alors? Il y a une fontaine ici? Qu'est-ce qu'il raconte? Restroom, ça peut vouloir dire toilette. C'est bien dans les trades de restroom toilette. Ah bon? Mais j'ai une salle de repos, moi. C'est quand même étrange, quoi. C'est quand même pas commun qu'on appelle les toilettes les restrooms aussi. Mais c'était vraiment le même symbole, hein, la fontaine. Hein. Coucou Rosalia, restroom, c'est toilette en Amérique. Ok. Putain, mais... Du coup, faut que je fasse gaffe, parce que dans le couloir, elle a tendance... Elle est où? Elle est où? À me choper de manière... Le problème, c'est que dans les toilettes, il n'y a rien, et vous m'avez dit que j'y étais pas du tout. Elle est où? Elle est dans les chiottes. Parce que là, j'ai beau appuyer sur la fontaine... Mais c'est ouf, parce que c'est quand même le même symbole, hein. Toilette cleaner. Je peux pas nettoyer les chiottes pendant que j'y suis? C'est bien un truc avec de l'eau. Alors, à moins qu'il y ait cet autre symbole. Mais du coup, on n'est plus dans la restroom, hein, mais ailleurs.
De toute façon, il n'y a pas le... Ah, si, y a un lavabo là, mais bon. Ah, ou alors dans la douche, peut-être. Y a pas une, op une option jet d'eau? Non, ça n'a pas l'air. Hein. Ça n'a pas l'air du tout. Hein. Après, ça parle de grille après, je crois. Là, il y a une grille. Parle de ligne de grille. Ah, ou alors c'est pour la télé. Je confonds avec la télé, peut-être. Pour l'énigme qu'on vient de faire. Mais là, je vois pas. Hein. Je cherche un truc blanc qui peut faire de l'eau. À part ça. Parce qu'en plus, il y a. Putain, mais les grilles, je sais plus à quel moment elle en parlait, du coup, dans la note. Qu'est-ce qu'elle a là? Elle vient plus? Ah, c'est pas dans les toilettes, je crois. Tu passais à côté tout à l'heure. Alors, vu que l'appartement est petit, je veux bien te croire, mais. Mais je sais pas. Mais la clim, ouais, elle est là, la clim, mais. Mais il n'y a pas de truc de fontaine. Je peux pas y toucher de toute façon. Ça. Alors je veux bien un autre indice, s'il vous plaît, parce que là, j'avoue que. J'ai un blue pot. Ah oui, ça, c'est le message de tout à l'heure. Merde. C'est dans la salle de bain. Putain, mais j'ai fait 3 fois le tour de la salle de bain. Alors, restroom, qui veut dire salle de repos, qui veut dire toilette en... aux États-Unis. Et ben là, en fait, c'est la salle de bain dans le jeu. Ça fait quand même pas tellement de sens. Hein. À part ça, ouais, mais ça, c'est le truc de la température. Elle abuse, elle abuse, elle apparaît à 1 mètre de moi et elle fait zéro bruit. Y a pas un truc de fontaine là-dessus là? Putain, mais. J'ai vraiment 2 secondes pour regarder et elle apparaît. Hein. Non, c'est dans la kitchen. What? Ah, attendez, si vous me dites des trucs contradictoires, on va pas y arriver. Allez, Ginette, bordel! Ah, attendez, on a peut-être un indice. Attendez, attendez, attendez. Make steam in the kitchen, put the key in the steam. Donc c'est bien dans la kitchen, mais attendez, non mais, faut m'expliquer la restroom, hein, vraiment. Hein. Restroom, qui veut dire mot à mot, salle de repos, qui veut dire. Aux États-Unis, parce qu'ils sont complètement claqués du ciboulot. Toilette. Là, c'est la cuisine. S'il vous plaît, ça fait pas de sens. Alors, les steam, c'est les. C'est la vapeur. Voilà. Bordel. Et oui, c'est de la céramique en plus, blanche. Oh putain. Attends, merde, c'était quoi le reste du message? J'ai déjà oublié. Mec, steam, et après. Et après quoi? Put the key in the stream? In the stream? In the steam? Mais j'ai pas la clé! Ça, c'était pour trouver le keyhole. Putain, mais. Elle est relou, hein. Oui, j'ai pas localisé la clé encore. Attendez. From the mouth. Attends, mais sors! Je l'entends arriver, quoi. From the mouth of the web person emerging a signpost pointing of the key. To the key. Donc là, c'est censé m'indiquer la clé.
Must hate the stickies with steam. Quoi? Ah putain, c'est le... J'ai rien compris. Il a dit qu'il avait vu le symbole dans la restroom. Oui, bonjour. Ça va? Tu veux un peu d'eau? Ah, c'est chaud! Ah, elle a failli se brûler la main, mais on lui a dit... Oh non! On lui a dit, oh non, ne te brûle pas la main, voyons. J'ai pas compris la scène. Voilà, ok, maintenant que j'ai localisé la clé, il faut trouver la clé. Est-ce que je peux voir mon petit post-it? Baf! Bafroom, du coup. Damn sticky note with a key draw. Je sais pas, tourner le truc. Baf! Elle est vraiment relou, hein. Attends, je vais relire la note. Putain. Je vais relire la note. C'est qui unlock? Ouais, il me dit pas où est la clé. Ok. Bon, allons voir dans la douche. Pshht. Baf. 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 Y'a rien dans la baf. En même temps, n'importe quelle pièce peut devenir une restroom si t'es assez fainéant. Oui, c'est vrai. Si tu vas par là, ça peut être un peu n'importe quelle pièce. Mais... Baf. Baf. Oui, bah baf, oui. Moi qui vais t'en mettre des baffes. Hein, Ginette? Mais non, y'a rien ici. Ça ressemble au Japon... Ça ressemble au symbole Jap pour montrer la salle de bain. Le baf? Bah ouais, ouais. Après, c'est peut-être pas baignoire, ouais, c'est peut-être juste ça, salle de bain. Et du coup, je sais pas bien ce que je cherche. Enfin, si je cherche la clé, mais... J'ai pas vraiment d'autres indices. Putain, j'ai cru voir un truc, mais non, c'est long, moi j'y arrivais. Je cherche la clé. La 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 la. Elle a que ça à faire de me faire un escape game quand même, Ginette. C'est petit, donc il va bien falloir fouiller. Yes. Ah, avec Ginette, ça va être bien simple. Dans la petite plante, non. Mais là, on avait déjà trouvé un truc caché là-bas. Elle me fatigue. Ginette! C'est bien parce que des fois, je la route derrière la... Derrière le mur. Je cherche bien. Putain, c'est Eden Shoulders. Ah putain, mais c'est le vrai nom en plus. Du placement de produit, quoi. Ouais. Et des bisous, Siona. Oui, allô. Elle est où? Putain, oh, je me bloque derrière la porte. Ginette? Ah, je sais pas où elle est, mais si j'avance, je pense que je suis dans le sale drap. Le jeu, il est fou un peu. Tu l'as vu? Non. Allez! Mais regardez, elle est même pas là. Si, mais comment ça, si? C'est sur le Elden Shoulders? Comment ça, je l'ai vu? Ah non, ça rend fou, ça. Putain, mais c'est impossible de chercher avec elle. Je suis en train de cliquer everywhere, là. Tu es passé trop vite dessus.
Oh! Voilà, merci. Non mais c'est abusé. Elle spawn toutes les 0,5 millième de seconde. Vu? Non mais c'est une blague. Mais je peux pas fouiller, elle apparaît tout le temps! Ça rend fou! Oh! Mais vu où? Oui, le tel a sonné, mais j'ai peur qu'elle me chope du coup. J'ai un peu les boules de retourner dans le couloir. Vers la baignoire? Non, mais c'est pas possible. Faut avoir une patience avec ce jeu. Non mais c'est dingue, attendez, c'est pas possible. C'est pas possible, allez-vous, cette clé! Oh! Mais attends, mais c'est pas une clé ça, c'est juste une note. Fan key, mais c'est pas une key. Si? Ah bon? Carré. Ligne. F, TV, F, carré. D'accord. J'ai pas compris. Tout à fait, voilà. Ok. Allez. Oh, je vais vraiment t'acheter un panier pour chien, Ginette. Hein. C'est pas possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit le téléphone? Examine the moisted key. Je te montrerai où. Ça te montrera où est où la vraie clé est. Ça m'énerve quand elle fait ça. Elle apparaît et elle fait même pas de bruit, quoi. Ouais, non, là, ça me donne plus aucun indice. Hein. Ça me dit rien du tout là. Alors attendez. Carré, ligne, F. F, c'est quoi F? Fuck. Elle glisse comme Michael, oui. Carré, c'est les carrés que j'ai faits? Carré, ligne, F. TV, F, carré. Carré, ligne, F. Déjà, il y a la télé dans le truc. Attends. Carré. C'est quoi F? Je vais la taper. Japanese fairy tale. J'avais même pas vu. Lemon. Le secret du jardin. Il y a une petite grenouille là. From the mouth of the white porcelain emerging in a cloud of white smoke and smoking, pointing of the key. The key unlocks the door of impurity. The pair of psychoscope. So I hate. Ouais, non, ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout. Non, non, c'est vraiment ça, là, mais j'ai. Mais ouais. Carré, ligne. F. F, je sais pas ce que c'est. Télé, F, carré. Une pièce que t'as déjà fouillée, mais le problème c'est que j'ai un peu tout fouillé en fait. C'est peut-être un code avec les boutons des toilettes.
Ah, c'est vrai qu'il y a peut-être un carré, ouais, effectivement. Ah, F pour fontaine. Ah, ça serait pas bête. Par contre, télé. Il y a un symbole de télé, là. Ah, il y a des lignes. Télé, je sais pas ce que c'est, par contre, hein, mais... Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Alors, carré, ligne, F, TV, F, carré. Carré, ligne, F, TV, F, carré. Carré. Carré, ligne, F. Merde, je sais pas si j'ai appuyé dessus. TV, TV, c'est quoi? F carré. Bah, TV, ouais. TV, F carré. Non mais télé là-dessus, c'est quoi? Carré ligne F. Attendez, je réessaye. Carré ligne F TV F carré. Imaginez, on se prend beaucoup trop la tête, c'est pas du tout ça. En vrai, ça faisait sens parce que le F de fontaine, le carré, les lignes, il y a juste TV. TV, là, pour le coup. Ou alors, je retourne cliquer sur la télé, mais ça a pas de sens. Tu es au bon endroit, me dit Mélie. Bon, c'est déjà ça. Par contre, ouais, télé. Ah, coucou Alexis! Merci beaucoup. Je me suis inquiétée, j'avais pas de nouvelles de toi. Je me suis dit, mince, est-ce que tout va bien? Est-ce que ça lui plaît et tout? Merci beaucoup et merci à toi pour ta commission. C'était trop trop chouette. C'était si fou à faire comme commission. C'était cool. C'était trop bien. Et merci pour ton 43e mois de sub. Des gros bisous. Fait trop plaisir. Ou alors inverser TV et F. TV, je sais toujours pas si c'est ça. Attendez. On a dit carré. Carré. Ligne. F. Ouais, je peux pas appuyer sur un autre bouton, on est d'accord. Hein. Tu voulais inverser F. Ouais, ça fait rien. On a créé une formation sur la diversité et remplir un dossier sur la stratégie de notre entreprise. Toujours foutu mémoire. Ah ouais. Ah, tu m'étonnes que t'as la tête sous l'eau, ouais. Effectivement. Bah bon courage à toi en tout cas. Bon courage. Ou alors je reviens cliquer sur la télé. Oh putain. Téléphone il fout les boules à chaque fois. Follow the key et press the switch in the keyhole in séquence. TV, c'est fontaine. Putain, TV, c'est fontaine et F, c'est female. Putain de zut. Mais non, mais... Elle me fait peur. Ça fait pas de sens. Avec ce dessin-là qui dit que c'est une fontaine et c'est exactement le même symbole là-bas. Ça fait pas de sens. Bordel. Bon, alors. Carré. Carré ligne F, c'est ça? Carré ligne F. J'ai oublié. Putain. Carré ligne F, TV. F carré. Carré. Ligne. F. TV. Ligne. Carré. Non, F carré, putain. On va y arriver, on va y arriver. Carré. Ligne. F. TV. F. Carré. Voilà. Eh bah. Putain. Tout ça pour ouvrir les chiottes, quoi. Alors. Quelque chose est peint dessus. Pour le prendre. Sticky note. Toujours pas la clé, hein. Ça, je dis rien, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc, encore? Elle s'est fait chier, quand même. Hein. C'est quoi, ça? 39.
Est-ce que c'est des bouquins? Est-ce que... Ouais. Ah, le talisman, je crois que je l'ai ramassé tout à l'heure. Je crois que la réponse était 42. Mais oui, la clé de l'univers, c'est 42. Ah, mais non, mais je suis morte? Ah, je suis peut-être morte entre-temps, oui. Oula, je vois rien, qu'est-ce qui se passe? C'est pas les bouquins, non? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouquins et je peux les observer et je peux cliquer dessus. Il n'y a pas un 39 quelque part? Dictionnaire. Dictionnaire, c'est que des dictionnaires. Dictionnaire. Ah, attendez, attendez. Ah, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Ok, alors. 3. Oh putain. Alors ça, c'est pour vous, les moignons. Putain, mais t'es si près. N'importe quoi. Ça, c'est pour vous parce qu'il va falloir faire des mathématiques. Vous savez que les mathématiques, c'est pas mon truc. 2 fois 3 moins 75. Ça fait combien? On est foutu. À part, on est foutu. Ah, mais pourquoi ça me dit 39? Ah oui, non, il faut faire 39. Non, c'est ça, non, non. Il faut faire 39 avec la suite de chiffres qu'on a ici, en pensant qu'on a un moins là, et on a un fois ici. Donc, eh ben, allez-y. Moi, je serais d'aucune aide, là. Là, vraiment, je compte sur vous. Ou alors, je fais grâce à la magie du pif ancestral, évidemment. Ouais, je peux déplacer les trucs, ok. Non, des maths. Non, alors là, ça fait. Là, ça fait plus aucun sens. Ah, ça le décale. Ah, d'accord. Ça le décale à la fin, en fait, à chaque fois. Relou, la ginette, relou. Deux fois 53, je pense pas. Hein. Ah putain, mais oh, ça, c'est super chiant pour déplacer les trucs en fait. Deux fois. En fait, il faudrait que le moins soit par là. Deux fois 3 moins 57. Ou... De toute façon, il n'y a pas 50 possibilités hein, en vrai. Oh, mais c'est très chiant. C'est pas 2 fois 5. J'ai essayé quoi? 2 fois 7, j'ai essayé ou pas? Je sais plus. Deux fois 7. Et là, il faut déplacer le moins. Bah non. Bah, j'ai un peu tout essayé, non? Ou alors, faut mettre la soustraction avant et après la multiplication. Oui, non, mais je sais ce qu'il faut faire. Examine the box. Ouais, je sais, je sais. Alors, on me dit 53 moins 2 fois 7. C'est exactement ce que j'ai fait, mais dans l'autre sens. Fais chier, hein. Elle est où? Ginette! Bon, merde. Et oh non, j'ai fait n'importe quoi. Oh putain. Ouais, est-ce que j'ai moins 39? Je déteste les maths. Voilà.
C'est, moi, j'ai les cups. Oh, putain. C'est des cup cuts. J'ai le droit à une sauvegarde, parce que là, si je meurs, je recommence tout, en fait. C'est un peu chiant. C'est des tasses de saké. Je sais pas, c'est des tasses standards, en vrai. Hein. Qu'est-ce qui va se passer, maintenant? Bah, normalement, la porte des impuretés va s'ouvrir. Et du coup, Ginette arrive. Oui, tout ça pour ouvrir, pour regarder dans le dossier, en plus, oui. Oui, alors, on se doutait bien que c'était elle. Ça allait pas être le facteur. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle veut de nous, Ginette, à part nous piquer nos beignets? Et nous faire chier aussi, parce que pour le moment, c'est vraiment, elle nous pourrit la vie, c'est tout. Mais même pas avec des trucs graves, en plus. Juste des trucs chiants. Alors, regarde la télé à l'envers. Et elle boit du saké chaud. Ça se boit du saké chaud? Je sais pas. C'est du thé. Non mais la prochaine fois, dis-le que tu veux du thé en fait. Hein. Est-ce que je peux en avoir? Bah, il y a une tasse devant toi, il est neuneux lui aussi. Hein. Oh, regarde comme elle te regarde, tu es neuneux. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ton moyen de pour toi de dire merci. Genre, elle m'a dit merci là? Elle m'a tué tout à l'heure, mais elle me dit merci. Ok, c'est nos derniers jours. Du coup, merci pour ça. Cette bromance ne fait aucun sens. C'est pas évident, en fait, hein, d'avoir une copine fantôme. Parce qu'au lieu de te dire « je veux du thé », bah, en fait, elle joue un 2-3 soleil, elle te spaume sur la gueule. Elle te fait des énigmes à la Escape Game. Le thé qu'elle a fait était Heartwarming. Genre, ça faisait battre mon cœur. Demain sera la dernière nuit dans cette pièce. On est moon, pas beau et neuneux. Ah oui, il y a quelqu'un qui disait qu'on était pas beau. C'est vrai. Mission accomplie. Ce jeu est incroyablement bizarre. Ouais, pas pratique la relation, hein. Pas pratique du tout quand même. Allez, la dernière nuit, je sens qu'on va galérer un max. Du coup, je crois que j'ai... Oh, me dites pas que je vais avoir la bad ending. Parce que regardez, tout est jaune. Sauf le jour 3. Après, peut-être qu'on pourra refaire le jour 3. Mais je sais plus ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est un talisman que j'ai dû louper, en fait. Parce qu'à chaque fois, il y a des talismans à trouver dans chaque nuit. Et je crois que j'ai loupé celui du 3. D7. Au moins, on verra peut-être les deux fins. Oh, putain, on a jeté notre coussin. Ah non, c'est elle, elle joue avec... Ah ouais. Oh, bataille de Polochon. Elle est dans un mauvais mood. Ah, ça doit être parce que je vais partir. Du coup, elle balance toute la fourniture. Tiens, regarde, je te range tes affaires. Tu vas me quitter, hein, salaud. Mais que... Ah, je suis sûr parce que c'est parce que demain, ça va être démoli. Ah oui, elle est pas contente. Hein. Ginette, tu arrêtes maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait? J'en suis en colère, j'inverse les tableaux. Oh non, j'ai plus de batterie. Ça veut dire que j'aurai pas d'indice. Oh, chiant. Ça, c'est relou. Je pensais à autre chose, on voyait les coussins. Lui dire la vérité. Dire la vérité. Et je suppose que c'est à elle. Non.
Oula, 0% batterie, qu'est-ce qui se passe? Alors, Ginette, ça suffit d'essayer de m'agresser toutes les 2 secondes. Ah, j'attends que mon téléphone recharge. Peut-être juste que je survive, du coup, en fait. Keep escaping until the charge is complete. Ok, il faut que j'essaie de m'échapper dès que la charge est complète. Donc ouais, c'est ça, faut juste survivre, je pense. Cette histoire de couple, dire la vérité est une mauvaise idée. Bah là, vu que j'attends le téléphone, c'est peut-être plus pour dire la vérité à mon patron. Je vais me mettre là-bas, c'est plus safe parce que sinon elle peut apparaître juste derrière moi, c'est un peu chiant. Pardon! Putain, je me mets là-bas pour pas qu'elle apparaisse derrière moi. Elle fait quoi? Elle apparaît derrière Ginette, tu es dans l'abus. Le plus total. Vraiment, tout ça pour me contredire, hein, comme d'habitude. Non, mais voilà, tu vois que nous deux, finalement, c'est trop compliqué. Tout le temps, tu veux me contredire. Dès que je dis un truc, tu fais le contraire. Voilà. Toujours en train de me rabaisser, de dire que je suis pas beau. Tu me piques mes beignets. Mon pudding. Tu veux pas faire la cuisine? C'est moi qui suis obligée de faire le thé aussi. Tu vois bien que ça va pas marcher entre nous. Il faut que ça soit donnant-donnant dans une relation. Hein, Ginette? Ma mère avait raison. J'aurais dû écouter ma mère. Ma mère avait raison. J'aurais pas dû me mettre avec un fantôme. C'est trop chiant. Puis c'est insupportable que tu popes à 2 centimètres de ma tête comme ça à chaque fois. Alors, on a bientôt fait la moitié. Putain, si elle s'énerve plus une fois qu'on a passé la moitié, ça va être compliqué par contre. Alors, je l'avais vue depuis un moment, mais elle a pas voulu s'arrêter. Je sais pas si c'est le meilleur spot, mais vu qu'elle peut apparaître derrière moi, même quand je suis dans un coin. Honnêtement. Ouais, elle a avancé beaucoup, ouais. Allez, on a fait la moitié, on a fait la moitié, on a 52%. Ginette. Tu es là, Ginette. Et puis Ginette, annonce-toi quand tu arrives aussi, hein, parce que des fois tu fais un bruit de micro-ondes et des fois tu n'en fais pas. Faudrait savoir, Ginette. Faut prendre des décisions dans un couple, hein. Et puis change de robe aussi, merde. T'imagines, ça fait 7 jours que t'as la même robe et elle est dégueulasse. C'est pas possible au bout d'un moment. Ça fouette un peu quand même, hein. Faire tourner une machine, hein. Coûtera pas plus cher. Enfin, si, un peu, mais. Là, des fois, elle met grave du temps à disparaître. Du coup, si elle apparaît vraiment à 2 secondes de toi, bah, c'est compliqué. Mais tu sens le ramord, Ginette. Ginette, notre amour est impossible. Tu vois bien. C'est trop compliqué pour communiquer, c'est chiant. J'ai pas envie de faire 50 énigmes à chaque fois que tu veux boire une boisson chaude. C'est relou. Allez, 20%, 20%. Hop! Oh, j'ai cru que j'étais morte. J'ai pas bougé en me disant, elle va disparaître. Eh ben, j'ai cru que j'étais mortu, hein. Pourquoi je vois plus rien comme ça? Elle est là-bas, elle est là-bas. En vrai, quand elle apparaît de loin, comme ça, limite, il faudrait que je la laisse un petit peu venir plus vers moi. Parce que c'est safe de toute façon, donc autant qu'elle perde du temps là-bas. C'est bien, à part elle là-bas, ouais, ça me va bien. Allez, allez! Je suppose qu'il faut que j'aille chercher le téléphone après.
Cette fois, je recule. Je me ferai pas avoir deux fois. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon! Uf, uf! Dit-il. Oula, je tremblote de la torche. Ouais, j'ai finalement chargé mon téléphone. Vraiment les quêtes les plus pétées du monde, quand même. Oula, oula, elle est pas contente. Voilà, alors là, elle est pas contente. Je lui ai balancé toutes mes vérités, elle est pas contente du tout. Ah, elle est pas contente, oui. Non, mais faut pas le prendre comme ça, Ginette. Merde. Ça n'est pas drôle. Oui, c'est pas drôle, Ginette. Lâche ce couteau. Et rends-moi mes baguettes. Ce n'est pas drôle. Il y a beaucoup de réparties, ce monsieur, en tout cas. Alors, je sais pas du tout s'il y a plusieurs fins. Le couteau est par terre. Elle a changé d'avis. Finalement, là, voilà. Voilà, c'est des larmes de crocodile. Hein, on pète son câble, on fait genre, et au final, tout va bien. Ah, tu dois probablement savoir que l'immeuble va être démoli. Voilà, que cette pièce va être démolie demain. Je dois te quitter, Ginette. Je te verrai probablement plus. Du coup, maintenant j'ai quelque chose de très important à te dire. Je t'aimais, Ginette. Tu es Madoka Sawez, c'est ça? Ah, on a loupé un truc dans l'histoire, nous on s'est inventé notre propre histoire. Tu as travaillé pour la même compagnie que moi, et tu es resté ici, et t'es mort dans cette pièce il y a 5 ans. Et nous, on est rentrés dans l'entreprise il y a 5 ans aussi. Et c'est ma prédiction. La raison pour laquelle tu n'es pas parti au paradis, c'est parce que shacking up with good looking men, il y a eu un truc avec des mecs, parce que t'avais certains regrets. Des trucs pas résolus dans ta vie. Oui, bah, comme tous les fantômes, merci beaucoup. Merci, Sherlock. Est-ce que tu le reconnais? Oh, c'est ton ex, Ginette. Tu as osé sortir avec quelqu'un d'autre que moi? Mais... Pourquoi c'est un chat? Son nom est Nina. Ah, mais c'est elle, Nina. Je l'ai eu de monsieur Yokoyama il y a 5 ans. Mais what the fuck? Mais c'est plop twist au plop twist. Tu sais, c'est ta propre original Nina. Hein? J'ai pas compris. Après que tu sois morte, Nina n'avait nulle part où aller et du coup... Elle a été récupérée par monsieur Yokoyama, qui me l'a ensuite donné, je suppose. Mais il pouvait pas s'en occuper longtemps, parce que sa fille était allergique aux chats. C'est ton deck, Ginette. Et du coup, voilà. Quand je suis arrivée donc, dans la société, voilà, ça lui a donné une opportunité. Parce que j'ai déjà... Ah oui, on a déjà 3 chats à la maison. Mort. C'est pour ça qu'il y a des chats partout. La fin chat. C'est tellement invraisemblable. En vrai, c'était pas trouvable comme fin. Ah, Nina est morte il y a 2 semaines. Oh non, ça c'est trop triste par contre. Ça c'est horrible. Elle a eu une thyroïde, une glande de thyroïde qui était trop grosse. Et ça a affecté beaucoup de chats. Mais elle est morte paisiblement dans son sommeil. Oh, avec les autres chats à ses côtés. Oh non, c'est trop triste, c'est horrible. Mais non, mais c'est trop triste. Elle avait des dents toutes douces. Quoi? Sweet tooth? Attends. Non, tooth, c'est pas les dents. Attendez, je dis n'importe quoi. Ça ne peut pas être ça.
Je dois me tromper de mots. Ouais, voilà, elle était bien chez mes parents. Sweet tooth, expression pour dire t'aimes le sucre. Ah, d'accord, donc c'est bien tooth, les dents. Hein. Ah, sweet tooth, c'est-à-dire que t'aimes les choses sucrées. Ok. Elle aimait les choses sucrées comme toi. D'où le fait qu'elle me piquait mes putains de donuts. Ok. Eh ben. Pour le moment, en attendant, mes chats font des conneries derrière moi. Touf. Fait par Unity. Mais alors, du coup, est-ce qu'il y a une autre fin ou pas? Est-ce que le fait que j'ai pas ramassé un talisman dans un des trucs, ça change quelque chose? Oh, mais attendez, il y a un D8. Ah oui, puis on n'a pas trouvé le talisman dans le D7. Merde. Attendez, il y a encore un jour. Ah. Allons-y. Mais où était le dating dans tout ça? J'en sais rien. C'est marqué simulation de rencontre quand tu regardes sur Steam. Ok, donc le jour de la démolition. Ok, un mec qui travaille au management office and a junk dealer. Putain, j'ai pas le temps de lire. Voilà, j'ai pas de problème pour rentrer à la maison maintenant. Et ok, quelqu'un m'a aidé à tout débarrasser apparemment. Du coup, Ginette est partie. Oh putain, mais j'avais un balcon. Je l'ai pas vu depuis l'année dernière. Tif touf, ouais, c'est ça. Hein. Tif touf. Pourquoi ça me fait rire? Il est temps d'y aller. Et on emmène la statue de chat avec nous. Mmh, enfin, c'est elle qui nous l'offre, c'est ça. Tif et touf. Pardon. Tif and touf. Je sais pas comment le touf, je sais pas comment on le prononce. Vraiment, je saurais pas le prononcer comme il faut. Elle l'a fait finalement. Elle est passée à autre chose. Et elle est passée au paradis aussi. Et ben voilà, check out for the room. Il y a au moins deux fins à ce que je vois. Oh non, mais attendez, j'ai trop la flemme de refaire les niveaux pour trouver le talisman. Surtout le dernier niveau qui est très long. Ah, mais attends. Genre, c'est pas fini, là? Elle va revenir vu que j'ai pas trouvé tous les talismans, c'est ça? Est-ce que c'est bien tout vide? C'est bien tout vide. Find house key, bullet train ticket et smartphone. Ah, ok. Faut trouver les clés de la maison. Ah, pff, qu'est-ce qu'il fout là, le smartphone? Lol. Donc la clé de la maison. Ah, c'est bien avec de la lumière. Dans la salle de bain, tout à fait. Et le ticket de train. Qui est sur les chiottes, évidemment. Ah, mais il n'y a plus... Mais attends. Genre, on déménage avec le petit bouton pour ouvrir les toilettes. C'est bizarre, quand même. Check out for the room. Oh, il y a du texte. You seem to have misunderstood something. On dirait que tu as loupé quelque chose. Je vais te dire quoi. La vérité, c'est que Nina était dans mon esprit depuis très très longtemps, mais je suis restée dans cette pièce parce que je voulais vraiment vivre avec quelqu'un qui avait l'air gentil. Quand tu es arrivé. Attends. When you show up. As the last resident. Quand tu es parti comme le dernier résident, j'étais déçu tout au fond de mon cœur. Après tout, mes rêves ne deviendraient. Enfin, n'auraient jamais vraiment de fin. Mais finalement, ces 7 derniers jours, ils n'étaient pas si nuls.
Comme pour Nina, je voulais te dire merci, merci d'avoir pris soin d'elle à l'instar de moi, enfin comme moi. Ouais. Elle était vraiment lumineuse et puis voilà. J'ai la flemme de traduire. But in the picture, Nina. Ouais, mais sur les pictures, sur les photos, Nina avait l'air d'avoir trouvé vraiment un très bon nouvel environnement. J'étais surprise qu'elle soit avec d'autres chats. Je suppose qu'elle était vraiment, elle se sentait vraiment confortable chez toi. Je suis un peu jalouse, mais au moins Nina avait l'air heureuse. Merci d'avoir rendu Nina heureuse. Ah non, ça, Shai, c'est timide, pardon. Ouais, je dis n'importe quoi. Oui, elle dit que je suis moche, mais ça, c'est pas la première fois, ouais. Gungluti Guy, c'est pas gentil. Ouais, on me l'avait dit la dernière fois. Oui, c'est vrai, c'est pour dire que je ressemble à rien, c'est ça. Et elle était un peu déçue. Mais finalement, elle a passé quand même du bon temps avec moi. cette fois, c'est l'heure pour moi de quitter cet endroit. Je laisse cette partie... Ouais, je veux voir Nina encore sur la photo. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé ma vie avec toi, même si c'était court. Il n'y a pas de raison pour moi de rester ici plus longtemps. Merci pour ces 7 jours d'aventure. Merci pour tout. Prends soin de toi. Oh, c'est mignon. C'est choupinou. Elle va apparaître. Elle est derrière la feuille. À nous. Ah bah si, elle est là. Ton admiration pour un mec qui ressemble à rien est incroyable. Du coup, je sais pas comment le traduire, genre, pour un mec moche, je sais pas. Je pense que le facteur le plus important, c'est de considérer... To consider when choosing... Merde, oh putain. For example, the ability to say... Ouais, en gros, faut pas choisir quelqu'un pour son physique, mais plutôt pour son habilité à rester calme avec un fantôme avec lui. C'est le contraire de beau gosse, non looking, no good looking, ok. Je suis moche, mais au moins je t'ai toléré, moi. En gros, c'est ça. Coucou Mew, tu vas bien. Belle morale, finalement, oui, c'est vrai. Franchement, tu pouvais pas t'attendre au plop twist de l'histoire, quand même. Hein. On peut reconnaître ça au jeu. Je m'attendais pas du tout à tout ça, en fait. N'empêche qu'elle a les pieds vachement bien manucurés, hein, pour un fantôme. Est-ce que tu t'en vas déjà ? Ne quitte pas Ginette. Oh, elle sourit ! Ah, mes cheveux passent un petit peu à travers ma manche, mais c'est pas grave. Et moi aussi, je me suis jamais lavée, je garde toujours la même chemise pendant 7 jours. Oh, attends. Tu ferais un bisou à quelqu'un d'un peu moche quand même ? Malgré tout. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la prendre en photo, ça va pas marcher. Hein. Coucou le pain. Je veux que tu aies ça. Alors là, il n'y a rien dans ma main, à part une main très bizarrement fermée. Tiens, prends ma main. Tu as le droit de la découper. Qu'est-ce que c'est ? C'est le truc qu'il y avait sur mon smartphone, mais je ne sais pas ce que c'est. Is a tail hair. Ah ! Mais c'est dégueulasse ! Ah, il s'est fait un gris-gris avec la queue du chat mort de Nina. Mais c'est horrible! Je veux que tu l'aies. Oh! Mais les barges! Oui, c'est les poils. Ouais, mais c'est pareil, c'est dégueulasse. Oui, c'est moins dégueulasse. Oui, non, mais ok. Oui, c'est pas la queue entière, non, d'accord, ok, mais bon.
Ah, je sais pas, moi je trouve ça. Ah non, non, je trouve ça bizarre. C'est un gris-gris de poils, pas un gris-gris avec vraiment la queue, mais. Je sais pas, je trouve ça pas dingue quand même. Bon, elle a l'air contente, mais. Oula, 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 oula! On a dit plus de câlins, hein? Elle est partie. Elle est dans la valise. C'est une touffe de poils. Oui, je sais, mais. Mais non! Ginette est rentrée en nous, j'en sais rien, c'était bizarre. Soit elle est dans la valise, soit elle est en nous. C'est une touffe, pas une touffe. Madewave, Unity Blender. Oh yeah. Sound effect, Terra. Ok, 3D model, Subu Tutu Tuya. Zéro Kobo. Notosan. Ginette sort de ce corps, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'il y a une autre fin? J'ai un peu la flemme d'essayer de trouver l'autre fin, quand même. Je vais pas vous mentir. En fait, j'ai la flemme de me retaper le dernier niveau, surtout. Ce qui était un peu long. Oh, je suis dans l'herbe. Je suis Nina. Je me suis réincarnée en chat, non? Je sais pas. On est au paradis, peut-être. Fanard de Ginette, maintenant. Ils ont des grandes mains de fou. Oh, on est au paradis. Au paradis. On est au paradis. On est au paradis avec Nina. Ça, c'est choupinou. Ça, c'est mignon tout plein. Au parani. Au parani avec des panini. Et Dina. Et maintenant, c'est... Ouais, c'est Ginette qui a des lunettes dégueulasses, oui. Apparemment. The Cat. Le jeu est très long à se terminer, oui. Je suis un peu d'accord. Mais attendez, mais je suis toujours dans l'appartement. Et maintenant, je slide tel un crabe sur le côté. Qu'est-ce que... Ah non, c'est la caméra, pardon, c'était bizarre. On a changé de robe, enfin! Attends, go faire des fanarts, Nao X Ginette. Ah non. Moi, ouais, je vous laisse ce plaisir-là si vous voulez, mais moi non. Non merci. Coucou Nao Kitsune. C'est la séquence pied. Exactement. Mais la robe était pas noire. J'ai à Lulu. Elle a plus les veines terrifiantes sur le visage. Ah, le bas de la robe est noir. Putain, j'ai jamais fait gaffe. Je suis à l'ouest. C'est long. Ah, c'est très long quand même. Ok, très bien. C'était un peu long. Alors là, maintenant, tu vas sur ce plan et tu ne bouges plus pendant 10 secondes. Tu fais genre, tu réfléchis au sens de la vie et tout. Ok, c'est nickel, parfait. Elle est bonne. Ah, et le menu a changé, du coup, vous avez vu. C'était gênant. Bon alors, est-ce que vous savez s'il y a une autre fin ou pas? Oh, mais comment j'ai la flemme de me retaper ce niveau-là, là? Déjà, le D3... Allons voir ce qui se passait dans le D3, déjà. Et est-ce qu'il faut bien faire ça pour avoir l'autre fin? Très important, aussi.
Ça serait assez conceptuel que j'ai une mauvaise fin parce que j'ai eu tous les talismans. Parce que oui, là, on a déjà eu la bonne fin. Hein. Ice the Donuts. Ah oui, putain. Oh, d'accord. Oh, je sais même plus s'il faut faire. Ah oui, il fallait trouver. Putain, en plus, je sais plus où c'est du coup. Hein. Fallait trouver les, le conteneur là. Oh, je sais plus où c'était. Ah, là, il y a les machins. Par contre, le capuchon, je sais plus où il est. C'est pas en haut? Non? Ah, le talisman est là, ok. J'ai trouvé le talisman. Non, non, je pense qu'il faut. Vu que je reviens au chapitre, dès que, au menu, dès que j'ai terminé, j'aurais juste besoin de refaire. Non, non, s'il fallait tout refaire, là, j'aurais dit non. Nope. Par contre, je sais plus où est le capuchon. Il était pas dans la cuisine aussi? Ok. Ah oui, il faut que je clean. Ah oui, c'est vrai. La mission incroyable, il faut cleaner. Voilà. Après, il fallait prendre le réveil et le mettre dans les chiottes. Voilà, j'ai besoin d'un truc pour la distraire. Là, on prend le réveil. Voilà, là, on va y mettre dans la restroom. Là, maintenant, faut attendre juste que ça sonne. Et je pourrais cacher le donut. C'est au moins rigolote l'autre fin. C'est de l'horreur? Alors, pas tellement. Faut savoir que sur Steam, il y a beaucoup de. Le jeu est associé à plein de catégories. Comme simulateur de rencontre. J'avoue que par rapport à ça, c'est un peu la déception parce que du coup, je pensais vraiment qu'il y avait une histoire un peu de date. Et bon, bah, pas tellement en fait. Et oui, niveau horreur, bon, bof. Après, tu sens qu'ils essayent pas tellement de faire un truc flippant non plus, hein, donc. Bon, ouais, c'est rigolo comme jeu. C'est pas incroyable, hein, c'est pas. Voilà, c'est pas le jeu de l'année, mais. Mais c'est marrant, ouais. Je trouve ça quand même rigolo. Et puis le plot twist, tu t'y attends pas, hein, genre. le truc du chat et tout. Mon donut! Oh non! Pourquoi je voulais pas avoir ça! Non! Ah non, mais genre ça, c'est très drôle quand même! C'est quand même très drôle. Il nous regarde en mode, c'est moi, mon donut! J'en ai rien à foutre! Mioum mioum! Et elle me dit quand même à la fin de la semaine, oh, je me suis bien abusée avec toi! Bah oui! Elle m'a torturé en mangeant mes donuts, quoi! Ah, mais c'est quoi ça? Non, mais. C'est le jeu. Tu le veux, tu le veux? Eh bah, tu l'auras pas. Tout est perdu. Oh. Je suis moche et en plus, on me pique mes donuts. C'est quand même une vie de merde. Voilà, mission accomplie. Et maintenant, il faut refaire le dernier niveau. Et ça, c'est chiant. Parce que là, ça va, là, c'était rapide. Voilà, là, on est tout jaune. Et du coup, il doit y en avoir un aussi avant que je quitte l'appartement, je suppose. Là, ça va être chiant. J'espère qu'elle va pas me choper. On va skip. Tales de truffe. Je suppose que la fin, ça sera tout à la fin. Je pourrais skipper la scène de fin de chapitre. À quoi que je sais même pas si je peux skip en plus. Alors, where is the talisman? Déjà, faut le trouver.
En plus, elle spawnait bien, hein, donc faut surveiller. Hein. Putain, mais. Dis pas que ça peut être dans un placard ou. Parce que le truc, c'est. Ah, bah on l'a trouvé. Ça. Ok, est-ce que si je reste là, c'est safe ou pas? On va essayer. Parce qu'en vrai, je suis bien dans un coin là. Après, j'ai dit ça tout à l'heure, elle a apparu juste à côté de moi, donc je sais pas si c'est une bonne idée. Elle est là-bas. Elle est là-bas, mais du coup, elle est buggée derrière un mur, je crois. Elle est là, ok. Ça, elle est parue super loin, en fait, là. Après, les donuts, les truffes. Et après, c'est les touffes. Oh, ça va, si elle apparaît que là et que là, en vrai... Faut juste pas qu'elle apparaisse là. Sinon, c'est chiant. Voilà, elle est au fond. T'as, le bruit est tellement près. Ouais, je sais qu'elle peut pop très proche de moi. C'est pour ça que j'ai un peu peur qu'elle apparaisse ici. On va prier pour que ça soit pas le cas. Là, elle est dans les toilettes, je crois. Pour le moment, on n'est pas trop mal. Ok. Heureusement qu'elle a disparu très très vite. C'est vraiment une saloperie quand même. Ok, bon, c'est putain. Et là, elle a pop où? Elle a pop où? Ouais, je vais me remettre où je m'étais mis, hein, je pense. Pas un mauvais spot hein, au final ici. Hein. Hop 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 hop. J'étais. Putain de merde! J'étais bloqué contre la valise, je pouvais pas reculer. Ah non, à 10% la fuck. Hein. Fuck Ginette. Putain, mais. Mais des fois, elle met tellement de temps à s'arrêter, c'est abusé. Putain, puis elle m'a fait un côté et l'autre. Allez, allez, allez. 2%, allez, 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 allez. J'ai vraiment failli crever, quoi. C'est bon. Ouh, c'était au poil de huf, hein. Oh putain, je peux pas passer. On va devoir se retaper toute la cinématique où elle explique la vérité et tout. Ça y est, on a tout jaune, à part celui-là. On va y arriver, on va avoir la deuxième fin. Alors ça, je peux skip, ouais. Faut juste pas oublier de chercher donc le talisman. Normalement, j'ai encore un talisman à trouver ici. Ouais, Dawnfall, incroyable. Dommage qu'il n'y ait pas plusieurs fins à Dawnfall parce que c'est un jeu que j'aurais vraiment souhaité refaire en fait. Mais c'est vrai qu'en live, s'il n'y a pas d'autres fins. Ah, mais le talisman est juste là en plus. En live, s'il n'y a pas d'autres fins, c'est un peu bête de le refaire. Voilà! Ok, bon, bah, il n'y a plus qu'à retrouver les objets. Hop! Hop. Ah, c'est peut-être. Ah, l'établissement, ouais, c'est peut-être pour bloquer le fantôme. On va voir, écoutez. Là, normalement, c'est bon. Va-t-on avoir une nouvelle fin? Normalement, oui. Blablabla, blablabla. C'est parti. De toute façon, dans tous les cas, ça, je peux pas skipper. Vaut mieux pas skipper. Il va peut-être se passer autre chose.
Voilà, il répète ce qu'il a dit tout à l'heure. Pour le moment, c'est tout pareil. Attendez, attendez, ça va peut-être être après. C'est peut-être la fin, la scène post-crédit qui est pas la même. Et c'est vrai que pour le moment, c'est pareil, ouais. Pour le moment, c'est pareil. Mais normalement, on les a tous, hein. Et je vois pas ce qu'on peut faire d'autre pour avoir l'autre fin, donc c'est forcément ça. On va peut-être finir par nous faire un bisou, j'en sais rien. Un bisou, Ginette! En vrai, on a déjà eu la bonne fin, il manquerait une mauvaise fin, ouais, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est comme tout à l'heure, je crois. C'est juste qu'on est très lent à se relever. Est-ce que tu t'en vas? Ça c'est comme tout à l'heure. Faut que t'as eu la bonne fin du premier coup. Mais c'est un peu bizarre que, genre, t'as la bonne fin en loupant des trucs, en fait. Après, là, c'est peut-être une plus bonne fin, je sais pas. Parce que si t'as la mauvaise fin en ayant collecté tous les collectibles, c'est un peu... Ça va un peu à l'encontre de la logique, normalement. Donc là, on lui donne la touffe. La fameuse touffe. Ah, ou alors une fin plus, ouais, peut-être. Je veux que tu l'aies. Ah oui, tu m'inquiètes, ça y attend. C'est moi ou il n'y a plus le son des petits oiseaux? Normal? Le son a plus de jeu. Le son a plus de jeu. Le jeu a plus de son. Ça a fait ça tout à l'heure? Je m'en rappelle plus. Ah, pff. Ok, bah peut-être. Plus de sens que le temps s'est arrêté, tout est figé autour de nous. Ah oui, pardon. Merci, Chris, pour ces explications. Pour le moment, rien ne change. Hein. Elle me donne sa main. Elle m'a donné sa main tout à l'heure? J'ai déjà oublié. Ah oui, elle m'est passée au travers. Oui, c'est vrai, ouais. Bon, en fait, ça va juste être la fin post-crédit qui va changer. Enfin, la scène. On serre la pince, voilà. Ce mariage a eu beaucoup d'enfants fantômes. La fin, la fin, la fin. Allez, dites-moi que j'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Par contre, si c'est pas comme ça qu'on l'a... Ah ouais, si c'est pas comme ça, j'abandonne. Allô? Oh putain, s'il y a des fleurs, ça pue. Ah, il n'y a pas de fleurs. Ah, c'est un autre truc, c'est un autre truc, ça. On est dans le train. Alors, cette fois, on voit pas le fantôme, on voit nous. On a le Saint Donuts. Oh, alléluia. Donuts qui a l'air d'être pistache. Ça doit pas être mauvais.
Justice est faite. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, elle m'a suivi. Oh, la date. Merde. Oh merde, Ginette est restée avec nous du coup. Elle est pas partie. Non, elle va me repiquer mes donuts. Non, pas mes donuts. Ginette. Ben voilà. Mais c'était sûr. C'était sûr en fait. Oh, elle me le donne. Oh, elle me le met dans la bouche. Waouh. C'est ça une vraie histoire d'amour. C'est partager un donuts avec l'autre. Oh là là, c'est beau. Et n'empêche que c'était le mien quand même à la base. Mais bon. Et j'en aurais qu'une bouchée. Ouais, en fait, c'est ça. Oh, et le chat! Le chat est là! On dirait ma Sam-Sam d'amour en plus. Eh, je peux avoir une autre bouchée, s'il te plaît? Non, parce que là, t'es en train de tout graille, hein. Non, mais ouais, voilà, c'est pour dire, genre, c'est, voilà, c'est la petite leçon de vie, en mode... Oh, on a le chat dans le menu! Je retire tout ce que j'ai dit, cette fin est incroyable. On a le chat, on a the cat in the menu. Voilà. Tout va bien. Attends, on est mort? Tu penses? Non, je pense qu'ils sont juste partis avec... Ah mais demain, tu me mets le doute du coup. On a le chat, non mais on a le chat. Si quelqu'un sait quelle fin est la bonne et la mauvaise, je veux bien qu'on m'éclaire. On a le petit... Oh mais non, le chat est trop mignon. Oh regardez ces petites patounes toutou, j'ai envie de patouner ces patounes comme ça là. Mais du coup, soit on finalement les fantômes vivent avec nous, ouais, soit on est mort hein, peut-être. Je sais pas, en vrai ça me mettrait presque le doute.